Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui suivent vers pâturage, bien-aimés qui aiment bien le parfum du soir, laissez-moi vous dire que ce soir, c'est le temps du parfum du soir. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous bénis de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être branchés. Merci d'être avec nous ce soir, encore une fois, pour ce numéro de Parfum du Soir. Le Parfum du Soir, bien-aimé, c'est une plateforme de prière. Et le Parfum du Soir de ce vendredi, 26e jour du mois de mars 2021, est spécial dans la mesure où c'est le dernier vendredi du mois de mars. C'est le dernier week-end du mois de mars. Il y aura plus d'autres week-ends pour le mois de mars que ce week-end. Il n'y aura pas d'autres parfums du soir pour le vendredi que ce parfum du soir. Donc, il revêt un caractère exceptionnel. Exceptionnel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, shalom. Nous voulons commencer ce parfum du soir par la salutation. Nous voulons saluer, bien-aimés, avec l'apôtre Paul. Nous voulons saluer avec l'apôtre Paul. Nous allons prendre les livres des Tite pour commencer nos salutations. Ces salutations viennent de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Tite, chapitre 3, qui est le dernier chapitre, nous lirons les versets 13. Et 15, versets 13 et 15, dans les livres de Tite. Tite, chapitre 3, versets 13 jusqu'au 15e verset. C'est avec ce passage, bien-aimés, ce soir et cette nuit, que nous allons nous permettre de saluer tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont avec nous. Écoutez ce que dit la Bible. « Aie soin de pourvoir au voyage des Zénas, les docteurs de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Verset 14. « Il faut que les nôtres, j'insiste, les nôtres aussi, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Et verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Garde ce verset. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Moi, c'est Paul qui parle, le serviteur de l'Éternel et l'apôtre. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Ici, il s'adresse aux gens qu'il salue. Il s'adresse à ceux à qui il destine son message. Tous ceux qui sont avec moi, Paul, te saluent. Les salutations sont très importantes, bien-aimés. Et il ajoute lui-même, « Salut ceux qui nous aiment dans la foi. » Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Ici, remarquez qu'il destine ses salutations à une catégorie de personnes bien déterminées. Les salutations de l'apôtre Paul ne sont pas destinées à n'importe qui. Il commence au verset 15, « Tous ceux qui sont avec moi te saluent. » Et la personne qui est saluée est bien déterminée, est bien, je voulais dire, désignée. Et lui-même dit, tous ceux qui sont avec moi te saluent, mais salue alors pour moi ceux qui nous aiment dans la foi. Ceux qui nous aiment dans la foi. Cela veut dire que ceux qui n'aiment pas l'apôtre, ceux qui n'aiment pas ceux qui travaillent avec l'apôtre, ne sont pas objets de cette salutation. Alléluia. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Donc, on peut saluer les gens qui vous aiment, les gens qui sont vos amis, les saints qui sont vos collègues, les saints qui sont vos partenaires, mais dans la foi, et qui vous aiment. Parce qu'il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne nous aiment pas. Paul n'adresse pas ses salutations à cette catégorie de personnes-là. Mais ses salutations sont bel et bien adressées à ceux-là qui aiment Paul, et ce qui aiment, c'est qui travaillent avec Paul, qui sont des frères dans les armes, qui sont des frères dans la foi. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu.
Laissez-moi saluer à mon tour tous les révérends qui passent à vers pâturage et plus particulièrement au parfum du soir. Le parfum du soir commence de lundi à dimanche. Je salue les révérends Achille Madjoa, je salue les révérends Maker Makassa qui m'ont précédé, je salue les révérends Léon Kanima qui va intervenir après moi demain samedi, je salue tous les révérends qui font office du parfum du soir. Et je n'oublie pas les anciens qui passent aussi. Je salue l'ancienne Mavouvoula, je salue l'ancienne Lebara, je salue l'ancienne l'ancien Moussoko, je salue l'ancien Kiboula, je salue tous les anciens, l'ancien Chimanga et tous les autres. Je vous salue dans les noms précieux puissants de Jésus. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. À tous ceux que je n'ai pas cités, à tous ceux que je n'ai pas cités nommément les noms, et qui nous aiment dans la foi, trouvez aussi ce moment de salutation comme étant destiné aussi à vous. Merci de nous suivre. Merci d'approcher vos familles auprès de vous. Merci de regrouper l'église des familles, comme le dit Paul. Saluez l'église des familles qui est dans ta maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et salue les frères qui nous aiment dans la foi. On ne cite que ceux qui nous aiment dans la foi. On ne salue que ceux qui nous aiment dans la foi. Ça, c'est l'apôtre Paul. Nous saluons tous ces gens, tous ces frères et sœurs qui sont déjà prêts à décoller pour pouvoir prier avec nous, car ce soir, nous allons prier. Nous allons prier avec Dieu. Dieu aime ceux qui prient. La Bible dit que la prière du juste est efficace. Et ce soir, c'est une chère parent, c'est une chère maman, chers enfants, c'est le temps de prière. C'est le dernier vendredi du mois. C'est le dernier week-end du mois de mars. Vous avez intérêt, comme dit la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez intérêt à prier Dieu avant de dormir. Je sais combien la journée a été dure, combien la journée a été très, très occupée. La journée a été pas du tout repos, je sais. Mais la prière nous redonne la force, l'adoration, la louange. Quand vous pénétrez dans ces moments d'intimité profond avec Dieu bien-aimé, on en sort plein de force. On en sort ragaillardi. On en sort encore courageux. Je sais que la journée n'a pas été facile. C'est la fin de la semaine et les gens sont fatigués. Approchez-vous de votre télé. Approchez-vous avec les enfants, avec les parents. Réveillez ceux qui dorment, qu'ils viennent pour que nous puissions ensemble brûler le parfum du soir, le parfum d'une odeur agréable à l'Éternel. Laissez-moi saluer ceux qui sont dans les prisons. Nous ne vous oublions jamais. Vers pâturage vient jusque-là. Et par la magie de la télé, nous vous saluons au nom précieux puissant de Jésus. Laissez-moi saluer ceux-là qui sont délaissés, abandonnés, qui n'ont pas connu de visite, alors qu'ils sont sur les lits d'hôpital. Nous ne vous oublions pas. Vous êtes sujet de nos prières. Qu'ils soient maman et moi, mon collègue, que ce soit à Graham, que ce soit à Kitambo, hôpital de Kitambo, hôpital d'Ndjili, partout où vous êtes, dans des hôpitaux, dans des polycliniques, dans des centres médicaux. Nous vous saluons au nom précieux puissant de Jésus et nous vous aimons parce que le parfum agréable, le parfum du soir que nous allons brûler par les trichements de vos pâturages va arriver jusque là où vous êtes. Si vous êtes connectés spirituellement, frères et sœurs, je vous rassure que l'atmosphère va changer car bientôt nous allons décoller pour prier Dieu. Mais avant toute chose, je voudrais saluer notre père, le révérend Espérance Mbakadi et toute la famille Mbakadi. Je les salue respectueusement parce que ce soir, je sais qu'ils seront aussi en prière avec nous. Je salue Jean-Pierre Tchinkolo et sa famille. Je salue le révérend Augustin Bona et toute sa famille. Je salue Dieudonné Mouchaïla Famba. Je salue tous ceux qui viennent à vers pâturage pour diriger
mais tous ceux qui viennent avec le pâtirage pour prier ensemble avec nous. Passez-moi ce moment de salutation, de frères dans la foi. Je salue toutes les familles qui prient avec nous. Recevez ces salutations dans les noms précieux puissants de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, en ce dernier vendredi du mois, quoi de plus normal qu'un psaume qui va nous introduire dans un moment de louange, dans un moment d'adoration, surtout dans un moment de reconnaissance. Oui, les gens disent que nous prenons du temps dans l'adoration, mais l'adoration est une prière, est une très grande prière, bien-aimés. Dieu aime qu'on l'adore, Dieu aime qu'on le loue, Dieu aime qu'on l'exalte, Dieu aime, oui, ceux-là qui sont reconnaissants, qui ont un cœur reconnaissant. Oui, bien-aimé, quand vous n'êtes pas reconnaissant, bien-aimé, vous n'avez pas droit à la page. La reconnaissance est une chose pour le bon Dieu. Dieu aime ceux qui ont un cœur reconnaissant. Que votre cœur loue, adore et glorifie le Seigneur. Nous voulons considérer un psaume qui va nous permettre, il s'agit des psaumes, de louer et adorer le Seigneur. Il s'agit des psaumes 20, versets 6 à 10. Nous allons considérer les psaumes, excusez-moi, nous allons considérer les psaumes préparés à cet effet. Il s'agit donc des psaumes 84. Vers pâtirage, excusez-nous, s'il vous plaît. C'est psaume 84, versets 1 à 6. Psaume 84, qui va nous permettre de décoller. Psaume 84, 1 jusqu'à 6. Merci au chef de chantre sur la guitite des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, éternelles, deux armées. Oh, alléluia. Que tes demeures, le demeure des dieux sont aimables. Alléluia. Verset 2. Éternel Dieu, deux armées. Mon âme soupire, dit le fils de Corée, et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Oh, alléluia. Verset 3. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Alléluia. Arrête-toi là un instant. Bien-aimé, je veux que mon âme soupire. Je veux que ton âme languisse après le parvis de l'Éternel. Et que ton cœur et ta chair poussent des cris vers le Dieu vivant, le Dieu merveilleux. Je veux que nous soyons reconnaissants avec celui qui a marché avec nous depuis le premier week-end, le premier vendredi du mois de mars. Nous voilà au dernier vendredi du mois de mars. Bien-aimés, là où nous sommes, nous avons intérêt à reconnaître que l'Éternel, c'est le Dieu. Ainsi, nous poussons nos cris vers le Dieu vivant et que nos cœurs et notre chair puissent se libérer, se délecter dans sa présence. Seigneur de gloire, prions le Seigneur. Nous venons à toi, ô Dieu. Cette nuit, nous venons encore une fois pour te dire combien tu es merveilleux. Moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et ma famille, moi et les églises de maison, moi et nos frères qui sont dans des prisons, moi et nos frères qui sont dans des hôpitaux, moi et nos frères qui sont désespérés, abandonnés et délaissés pour compte, moi et les opprimés, ce soir, rien ne peut nous empêcher de venir à toi. Voilà pourquoi nous nous approchons du trône, Seigneur des gloires, pour te dire combien nous te sommes reconnaissants du souffle de vie que tu nous as donné. Parce que tu es sorti avec nous depuis le matin. Yahweh, tu as travaillé avec nous. Nous avons travaillé durement pendant la journée. Un dur labeur. Éternel, notre Dieu, tu as permis que nous puissions rentrer. Nos enfants sont allés à l'école et ils sont rentrés. Tous les mois de mars durant, ils ont fait les va-et-vient. Oh Dieu, tu les as protégés. Tu m'as protégé moi-même, Seigneur. Du boulot à l'église, vers la maison, Éternel notre Dieu, tu as été toujours avec moi. Oh Dieu d'amour, je suis reconnaissant. Reconnaissant envers toi.
Ma famille est reconnaissante, reconnaissante envers toi. Le Dieu de lumière, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu fidèle, celui qui a confondu nos ennemis. Durant tous ces mois de mars, c'est toi éternel. Nos yeux, encore une fois, ont vu le mois de mars. Ils ont vu les jours du mois de mars. Ils ont vu les heures du mois de mars, les minutes du mois de mars, comme nous l'avons demandé le premier vendredi. Nous voilà au dernier vendredi, Seigneur de gloire. Nous n'oublions pas que c'est grâce à toi, notre Seigneur et notre Dieu, que nous sommes arrivés à cette fin. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à toi. Nous te sommes reconnaissants de tout cœur, Seigneur. Voilà pourquoi nous crions à toi. Ma chair, mes pensées, mon esprit, crie à toi, le Seigneur de gloire. Moi et ma maison, moi et ma famille. Moi et la famille de mon frère et de ma sœur. Moi et la famille Makasa, la famille Kalima. Moi et la famille Liwala. Moi et la famille Mavuvula. Nous crions à toi. Nous poussons des cris de joie, des cris de reconnaissance pour te dire combien tu es merveilleux et combien tu es Dieu. Béni soit ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons de tout cœur pour tout ce que tu as fait pour nos enfants et pour nous-mêmes. Yahweh, pour cette journée, malgré la fatigue, nous voici debout. Nous voici debout par ta grâce, Seigneur de gloire. Nous voici dans ta présence, éternel notre Dieu. Tu nous as donné la force. Nous sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas les souffles de vie que tu renouvelles chaque matin, que tu renouvelles en nous, Seigneur de gloire. Nous sommes reconnaissants envers un Dieu merveilleux, envers un Dieu puissant, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de compassion, un Dieu plein de miséricorde. C'est toi l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Yahweh, nous t'élevons et nous te bénissons parce que toi, tu es digne. Toi, tu ne changes pas. Tu es le merveilleux Seigneur. Tu es le grand Dieu. Tu es le puissant d'Israël. Mais tu es le puissant des Mwamba. Tu es le puissant des Kalima. Tu es le puissant des Makara, des Liwala. Tu es le puissant de tu es le puissant, ô Dieu d'amour, de nos frères et nos sœurs. Tu es le puissant de tous qui prient avec nous ce soir, ô Dieu d'amour, Dieu de bonté. Tu es le puissant de mes enfants. Nous rendons gloire au puissant d'Israël que toi tu es. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es le puissant de ma joie. Rendons gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que toi tu es digne. Merci d'avoir gardé nos enfants. Merci de nous avoir protégés. Merci d'être avec nous, Seigneur de gloire. Merci de contrôler toutes les choses, de marcher avec ton peuple, malgré le soleil, malgré la nuit, malgré les jours. Toi, tu demeures Dieu et tu contrôles toutes les choses. Seigneur, du fond du cœur, nous disons merci. Comment ne pas te remercier, Seigneur de gloire, lorsque nous savons qu'il y en a qui n'ont pas vu ces jours? Comment ne pas te dire merci, éternel notre Dieu, lorsqu'il y a de nos frères qui sont dans des hôpitaux, lorsqu'il y a de nos frères qui sont emprisonnés, Seigneur de gloire? Oh Dieu d'amour, comment ne pas te dire merci? Parce que nous sommes libres, parce que nous aimons l'air libre. Béni soit ton nom, notre Dieu, reconnaissant, nous le sommes envers toi pour toutes tes choses, pour tous tes bienfaits. La Bible déclare que les bienfaits de l'Éternel, oui, ne sont pas épuisés. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Merci de les renouveler dans la vie de mes enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos maisons, dans la vie de nos églises, dans la vie de la RDC, dans la vie des autorités de ce pays. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ce que toi tu fais pour ce pays. Merci, ô Dieu. Merci pour la paix. Merci pour l'amour. Merci pour la joie. Merci pour le changement. Merci pour ce que tu donnes. Merci pour le monde. Merci, Dieu d'amour. Alors qu'il y en a qui quittent, mais nous sommes en vie et nous sommes dans tes parvis. Nous sommes dans ta présence. Comme il disait, je suis dans la joie parce qu'on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Là, c'est David, le même David, à travers les psaumes de fils de Corée, qui dit, alléluia, un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Quelle merveille, Seigneur de gloire. Je bénis ces moments, mon Dieu. Je bénis ces moments d'une façon particulière, de la grâce qui m'a été faite pour que je sois dans ta présence, pour que mon frère soit dans ta présence, pour que nos familles soient dans ta présence. Merci, nous te sommes reconnaissants. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu as marché avec nous tous les mois de mars. Merci, ô Dieu d'amour. Nous n'oublions aucun jour. Tire vers pâturage, au parfum du soir.
Chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque samedi et chaque dimanche, nous avons été fidèles au rendez-vous. Nos bien-aimés étaient fidèles au rendez-vous avec leurs familles. Je bénis ton Saint-Nom, mon Dieu d'amour, mon Dieu merveilleux, mon Dieu incomparable, mon Dieu digne. Alléluia, gloire soit rendue à toi. Nous voulons t'élever, ô Dieu, parce que toi, tu demeures Dieu. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Béni soit ton nom. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, tu mérites l'élévation. Toi qui sièges dans les louanges de ton peuple, viens siéger, Seigneur, cette nuit, dans nos maisons, dans nos familles, puisque nous t'adorons, puisque nous te louons. Quand nous te cherchons, nous te trouvons. C'est pourquoi nous venons à toi. Alléluia. Nous venons à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nos cœurs languissent, ô Seigneur de gloire, dans ta présence, dans tes parvis, ô Dieu. C'est les jours merveilleux, c'est la nuit merveilleuse. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, notre Seigneur et notre Dieu, le Dieu que nous bénissons, qui nous a choisi le premier, le Créateur de toutes choses, de l'invisible visible, du visible, de l'invisible visible, et du visible que nous voyons, Seigneur de gloire. Béni soit ton nom. Tu as étalé tout pour l'homme. Tu nous as tout donné et tu nous as donné la responsabilité. Merci. Comme tu l'as fait à Adam et Ève dans les jardins. Alléluia. Merci de nous avoir accordé le monde, de nous avoir donné tout ce qui est dans le monde. Merci de nous avoir donné la jouissance de ce bien que tu as donné au monde. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu grand. Merci Dieu puissant. Merci Dieu de nos maisons, Dieu de nos familles, Dieu des églises de maison, Dieu de nos assemblées. Nous rendons gloire à toi, Dieu de notre communauté, Dieu de notre Père. Nous sommes reconnaissants envers toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Comment ne pas te bénir quand mes yeux regardent tout autour de moi, quand je regarde tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as fait pour mon frère, tout ce que tu as fait pour ma sœur. Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, nous t'adorons, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, toi qui es capable de tout. Alléluia. N'est-ce pas que tu es loué, Seigneur? Oui, libère les portes des prisons, libère des chaînes de la méchanceté, délivre de la mort. Merci, Seigneur. Nous te louons parce que tu nous as créés pour être à ton image, pour te louer, pour être reconnaissant, pour te dire, te chanter des cantiques, pour pouvoir t'élever, Seigneur de gloire. Toi, tu aimes qu'on te loue, toi, tu aimes qu'on t'adore, parce que toi, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es notre Dieu, tu es le véritable, le tout-puissant, le vrai, le seul et l'unique, le Dieu véritable. Les autres dieux ne parlent pas. Les autres dieux sont en voyage. Les autres dieux dorment. Les autres dieux n'ont pas de force. Les autres dieux ont besoin de manger. Les autres dieux ont besoin de boire. Mais le nôtre, il ne dort point. Il ne somnole point. Il est Dieu hier. Il est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu demain. Tout est étalé par lui. C'est sa main puissante qui a tout créé. C'est par sa parole qu'il a tout créé. Il n'a rien envié au diable. L'usurpateur qui vient que pour copier. Oh, notre Dieu est le maître de séant. Quand je regarde les cieux et la terre, l'ouvrage de tes mains, il y a de quoi t'adorer, il y a de quoi t'élever, il y a de quoi te glorifier. Quand je vois la distance entre la terre et les cieux, oh mon Dieu, mon roi, quand je regarde le firmament, le vide qui m'entoure, quand je regarde les étoiles du ciel qui scintillent dans les cieux, je bénis ton nom. Étoile brillante du matin, je bénis ton nom, tu es créateur de toutes choses, je rends gloire à toi, parce que tu es le premier et tu es le dernier, tu es le véritable, tu es le vrai Dieu, l'unique et le seul, le Dieu capable, celui qui bénit. Oh, qui d'autre peut bénir comme toi? La bénédiction de l'homme n'amène nulle part, c'est la bénédiction qui vient de toi, qui donne la richesse, la bénédiction que toi tu donnes, va jusqu'à la fin. Oh, merci de nous bénir. Merci de renouveler tes bontés sur nous chaque jour. Merci d'éclairer le soleil, l'astre suprême, pour nous éclairer, pour dire oui et non à la nuit. Vive la journée par le soleil. Merci, ce soleil qui brille, qui
qui éclaire, qui illumine, qui apporte la lumière, même là où il y avait les ténèbres, même là où il y avait l'obscurité. Merci de nous donner le soleil. Seigneur, nous apprécions tout cela parce que toi, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Il y en a qui cherchent le soleil et qui ne le trouvent pas. Mais chez nous, 34, 35, 36 degrés, Seigneur, nous avons le soleil. Alléluia. Gloire à toi. Nous bénissons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous glorifions ton nom. La lune ne reste pas à côté. La nuit nous éclaire. Merci, Seigneur, de nous éclairer par la lumière naturelle de la nuit. Oh Dieu, merci pour les étoiles qui scintillent les cieux. Merci pour ces étoiles que nous avons regardées tout au long du mois de mars. Merci pour le soleil que tu nous as donné chaque jour. Tu as renouvelé le soleil. De qui croit que c'est fortuit? Non, tu le fais par amour. Tu le fais par amour pour nous. Tu le fais par bonté pour nous. Tu le fais parce que nous te prions. Parce que le monde t'appartient. Et dans tes mains, tu as le monde entier. Tu contrôles toutes choses. Et rien ne peut te contrôler, toi. Toi, tu es le Dieu, maître de temps, maître de circonstances. Tu es le Dieu qui contrôle toutes les choses. Voilà pourquoi nous venons à toi, qui a entre tes saintes mains tout et qui contrôle toutes les choses pour te dire merci. Merci, oh Dieu. Merci d'avance pour les mois prochains. Merci, oh Dieu. Merci d'avance pour ce mois qui touche à sa fin. Nous rendons gloire à toi. Merci encore pour cette année 2021. Pour chaque mois, les restes de mois de l'année. Il y en a 9. Nous rendons gloire à toi. Avril, mai, juin, juillet. Août, septembre, octobre, novembre et décembre. Seigneur, nous bénissons ton nom. D'avance, nous avons le souffle de vie. Et nous saluons ces mois. Parce que nous savons que tu es fidèle. Celui qui nous a donné janvier. Qui nous a fait vivre en février. En mars. C'est le même Dieu qui nous fera vivre en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Nous rendons gloire à toi. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi, le maître des temps et des circonstances. Béni soit ton nom. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu d'amour. Toi qui, par amour pour nous, tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te saluons. Jésus de Nazareth, tu es le véritable. Tu es l'unique, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui a accepté la honte, l'ignominie et la calomnie. Oui, Seigneur de gloire, pour moi, pour ma famille, pour ma maison, pour la communauté, pour mon pasteur. Oh, gloire soit rendue à toi. Pour les familles des chrétiens que nous saluons. Nous saluons toutes ces familles pour lesquelles Christ a donné sa vie. Nous reconnaissons que toi, tu es Dieu. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur de gloire. Merci, ô Dieu d'amour. Merci, ô Jésus, parce que nous avons dû prier à tes yeux. Et en donnant ta vie, tu nous as rachetés. De la manière, oui, que nous avons hérité de nos parents. Merci de nous libérer de tous ces péchés-là. Merci de nous bénir par le sang de l'agneau. Le sang qui ne coagule pas. Le sang de Jésus-Christ. Merci de couvrir nos familles de ton sang, Jésus. Nous t'adorons, nous t'élevons, parce que nous sommes rachetés par le sang précieux, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau de Dieu, l'agneau qui enlève le péché du monde. Merci Jésus, merci, merci pour tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous te saluons, parce qu'à ton tour, avant de t'en aller, tu nous as laissé le Saint-Esprit. Tu nous as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quoi de plus normal que de témoigner Jésus-Christ de Nazareth? Témoigner Dieu, témoigner Jésus-Christ de Nazareth, ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Descends cette nuit, descends dans nos maisons. Merci Saint-Esprit de nous conduire et de nous diriger. Descends cette nuit, esprit de vérité, descends dans les prisons, descends dans les hôpitaux, descends dans nos maisons, descends dans nos églises. Nous avons besoin de toi, paraclet de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit qui crie Abba Père, l'esprit d'amour, l'esprit de bonté. Que ton amour remplisse nos cœurs, que ta bonté remplisse nos cœurs. Toi, l'esprit de vie, que ta vie vivifie nos vies. Alléluia. Que ta vie entre en nous, là où il y avait la mort. Que l'esprit de Dieu accorde la vie, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons pas quand viendra le Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de guérison, l'esprit d'amour, l'esprit de bonté. Il nous donnera tout cela. Viens ce soir. Nous avons besoin de toi dans nos maisons. Remplis nos maisons, remplis nos vies.
Ta présence dans la prière du soir est nécessaire. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de vie. Viens, Esprit qui vivifie. Viens, Esprit qui bénit. Viens, Saint-Esprit, toi qui connais prier mieux que nous-mêmes. Alléluia. Bénis nos frères. C'est là qu'ils sont abandonnés. Console les cœurs. On t'appelle consolateur. Je veux que tu consoles ma famille. Que tu consoles mes enfants. Que tu consoles le mien. Que tu consoles, alléluia, l'église, la communauté. Que tu consoles les églises des familles. Que tu les bénisses. Que tu les raccordes. Ô Saint-Esprit de Dieu, la puissance, l'amour, la consolation. Nous en avons besoin. Console-nous cette nuit. Console ceux qui sont fatigués. Console ceux qui sont découragés, fortifie ceux-là qui ont échoué dans la journée, qui ont connu des échecs, qui ont connu des tribulations. Il est là, près de ceux-là. Viens, Saint-Esprit de Dieu, regarde ceux qui sont seuls, regarde ceux qui sont abandonnés, qui sont délaissés, qui sont découragés, qui n'ont plus de force. Joue ton rôle de nous fortifier, de nous accorder la force, la puissance qu'il nous faut pour pouvoir prier ce soir. Nous avons besoin de toi. Viens, prie avec nous. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit d'amour, Esprit de joie. Répands ta joie dans nos cœurs. Répands ta force en nous, afin que nous puissions te louer, t'adorer, te bénir, prier, demander, élever celui qu'on n'élève plus. Le véritable Dieu, le Dieu merveilleux qui nous a donné cette puissance. Merci pour la grâce, merci pour l'amour, merci pour la puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous avons les mains. Laisse que nos mains adorent. Lorsque nos mains louent, que nos mains glorifient notre Seigneur et notre Dieu. Que nos mains louent le véritable Dieu, le Dieu incomparable. Nous devons les louer avec nos mains. Nous pouvons l'acclamer dans nos maisons. Chers enfants, acclamez. Chers parents, on acclame. Les mains sont pour acclamer. L'être et la vie et les mouvements nous sont donnés chaque jour, chaque nuit, chaque soir. Nous avons l'éprouvé que nous avons la vie dans notre corps, que nous vivons, que nous sommes forts, 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 oui, plus qu'un vainqueur, à cause de la prière de ce soir, à cause du parfum du soir que nous brûlons pour notre Seigneur, d'une odeur agréable. Brille le parfum d'adoration, brille le parfum d'acclamation dans ta maison, dans ta chambre, là où tu es, s'il te plaît. Je veux que tu acclames, acclame Dieu est ton devoir. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. Béni soit notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. L'exhortation de ce soir, il partira des psaumes chapitre 7, versets 1 à 18. C'est notre tranche réservée à l'exhortation. Et nous allons exhorter, et cette exhortation va nous conduire dans le moment d'intercession du soir. Quelques intentions que nous avons pour ce soir. Mais avant ces intentions, bien-aimés, car nous allons prier au commencement la parole. Et cette parole va nous permettre à bien prier. Il s'agit de psaume 7. Psaume de David. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous commençons du 1er au 18e verset. Prions le Seigneur. Nous allons lire. Alléluia. Gloire à Dieu. Complainte de David. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantre de l'Éternel au sujet des couches benjamites. Éternel mon Dieu, je cherche en ton nom refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Bien-aimé, là, c'est David qui parle. Il s'agit au fait d'une complainte. Verset 2. Alléluia. 7, 2, 3. Enfin, qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Gloire à Dieu. Enfin qu'il... Oui, verset 3. Éternel mon Dieu, si je fais cela,
s'il y a de l'iniquité dans mes mains, verset 4, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, verset 5, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire, oui, dans la poussière. Alléluia. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, bien-aimé, si je fais tout cela. Et au verset 7, lève-toi. Alléluia. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Verset 8. Ordonne un jugement. Que l'assemblée de peuples t'environne, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. Oui, alléluia. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons-y. Mets un terme à la malice des méchants et affermis les justes, toi qui sondes le cœur et les reins. Dieu juste. Dieu juste. Oui, 11. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Arrête là. Mon bouclier est en Dieu, Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Nous arrêtons au verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, ce psaume, c'est un psaume de David. Mais ici, il s'agit d'une complainte. Alléluia. S'il vous plaît, vous pouvez remettre l'image. Ici, il s'agit d'une complainte. David se plaint. David dit que je n'ai rien fait de mal. Mais voilà que les ennemis viennent pour me persécuter, pour dire des choses à mon sujet, au sujet de ma famille, au sujet de ma vie. Mais David ne se reconnaît pas dans ces choses-là. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal à quelqu'un. Il n'a rien dit de mal. Mais pendant ce temps, les ennemis, le persécuteur, ici le persécuteur est personnifié par le personnage de Cush, le Benjamite. C'est lui qui l'accuse. C'est lui qui dit des mensonges à l'endroit de David. C'est lui qui persécute David. C'est lui qui attaque David. C'est lui qui injurie David. C'est lui qui jette de pierre à David. Alors que David ne se reconnaît pas dans cette accusation. Alors, étant donné qu'il ne se reconnaît pas dans cette accusation, que lui reste-t-il à faire? Au lieu d'aller attaquer Cush, les Benjamites, David s'abandonne à Dieu. Il s'abandonne à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, il s'agit maintenant d'un procès. David va vers Dieu. Il veut que Dieu soit le juge dans cette affaire. Parce que ses ennemis l'accusent à tort. Ses ennemis l'accusent alors qu'il n'a rien fait de mal. De la même manière que ta famille est accusée, que tes enfants sont accusés, que tes parents sont accusés. Au lieu d'attaquer les gens qui accusent, les accusateurs qui sont connus, tourne-toi vers le Seigneur, vers le juge suprême. C'est lui qui est le juge, c'est lui qui est l'avocat suprême. C'est ce que fait David. Il en appelle au juge suprême. Il dit, votre honneur, Dieu Tout-Puissant, je veux que tu me fasses droit, que tu me fasses justice, parce que je suis accusé sans raison. Je suis accusé par des gens pour des choses que je ne reconnais pas. Je n'ai rien fait de mal. Mais tout le monde dit que voilà, c'est ta famille. Tout le monde dit, voilà, voici, ce sont tes enfants. Ce sont tes parents, c'est ton père qui a fait ça, c'est ta mère qui a fait ça, c'est ton fils aîné qui a fait ça, c'est ta fille là, Love Makasa qui a fait ça, c'est ta fille là, c'est Divine Makasa qui a fait ça. On accuse à tort même les enfants. Alors au lieu de s'attaquer à ces gens-là, cher Love, cher Divine, cher Ephraim, cher Priscille, au lieu d'attaquer ces gens-là, David va vers Dieu. Il veut qu'il y ait un procès. Et que dans ce procès-là, qui est l'accusateur? L'accusateur, c'est le diable, ici représenté par le personnage de Cush, le Benjamite.
couche des Benjamites, c'est un personnage inconnu de la cour du roi Saül. Couche les Benjamites, c'est un personnage qui est inconnu dans la cour du roi Saül. Mais la Bible l'identifie aussi à Shimei. Mais qui est Shimei? Shimei, dans 2 Samuel chapitre 16, verset 7. Donnez-moi un peu de Samuel chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce que Shimei a fait à David? Shimei a jeté des pierres à David. Shimei a jeté de la poussière à David. Shimei a injurié David. Shimei a invectivé David. Voilà le verset 7. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Shimei a maudit David. Il dit à David, va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Donnez-moi les versets 5 et 6. L'Éternel fait, écoutez ce que Shimei dit. David était arrivé jusqu'à Bakurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. David a été maudit par Shimei. Donnez-moi le verset 6. Il était de la famille de Saül. Il s'appelle Shimei de Guéra. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à gauche du roi. Il n'a pas eu peur de ces gens-là. Bien-aimé, l'ennemi n'a pas peur de toi. L'ennemi n'a pas peur de t'accuser à tort. Le diable n'a jamais eu peur d'accuser ta famille, d'accuser tes enfants, d'accuser tes parents, d'accuser notre pays, d'accuser les autorités de ce pays. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son rôle. Alors, au lieu d'aller vous-même combattre les diables, ici David, au lieu de combattre Shimei, au lieu de combattre Couche le persécuteur, Shimei l'accusateur, Shimei qui dit à David, va-t'en, un roi, il dit à un roi, allez, va-t'en. Il dit, homme de sang, il lui jette des pierres, il fait tout. Comment on le fait à ta famille, allez que vous n'avez rien fait. Bien-aimé, David nous donne une leçon. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Quelle est cette leçon? Cette leçon consiste à demander le procès. Et le procès qui sera juge, c'est celui qui est assis sur le trône. Le trône, oui, la terre est son marchepied. Oui, et son siège est dans les cieux. L'Éternel est Dieu des armées. Il en appelle à l'arbitrage de l'arbitre suprême, au Dieu Tout-Puissant qui devient juge. Et dans les boxes des accusés, il y a David. Et dans les boxes, et de l'autre côté des accusateurs, il y a Shimei. Il y a aussi Couche les Benjamites qui accusent à tort David. Et David dit, si votre honneur, David s'adresse à Dieu, il lui dit, votre honneur, si j'ai été trouvé coupable, si réellement j'ai jeté des pierres, si mes enfants ont été coupables envers ces gens-là, si ma famille les a injuriés, les a invectivés, que moi-même et ma famille nous puissions tomber. Mais si de tout ce qu'ils disent sur ma famille, de tout ce qu'ils disent sur moi, de tout ce qu'ils prononcent là, il n'y a rien de vrai, je m'en remets à toi, votre honneur. Et je voudrais que cette nuit vous me fassiez justice. Justice non seulement à moi, mais à ma famille. Non seulement à moi, à mes enfants. Non seulement à moi, mais à mes parents. Non seulement à moi, à mon pays, à mes autorités. Ceux qui m'injurient à tort, ceux qui disent des choses va-t'en, ceux qui me chassent, hommes de sang, des injures. Si je le fais, que je tombe. Mais si je ne le fais pas, je m'en remets à toi, votre honneur. Que vous puissiez dire la justice, que vous puissiez dire la vérité, et que cette nuit, je sois justifié par toi, parce que tu es le juge suprême. Je m'en remets à toi, ô Dieu, de tout ce que Shimei, de tout ce que Couche, les Benjamites, a proféré sur moi et ma famille. Bien-aimé, tout ce que le diable a dit, nous l'amenons au procès. Et c'est Dieu qui est le juge. Dans les boxes des accusés, il y a David, il y a ta famille. Dans l'autre boxe des accusateurs, il y a les diables, les sorciers et les magiciens. Ce sont eux que nous allons contre-attaquer ce soir. Parce qu'ils nous accusent à tort. Nous n'avons rien fait de mal. Ils accusent ta famille, ils accusent tes enfants. Tous ceux qui accusent ta famille, tous ceux qui accusent tes enfants, ce soir,
ils doivent tomber. Ce soir, nous les attaquons au nom précieux puissant de Jésus. Je veux que tu t'élèves. Je veux que là où tu es, chers parents, chères mamans, chers enfants, chers divines, chers Love Makasa, que nous puissions prier. Cher Ephraim, levez-vous. Cher Kalima, levez-vous. Prions le Seigneur. Cher Wanato, prions pour nos familles. Tous ceux qui nous accusent à tort, nous les amenons dans les mains du juge. Et juge s'appelle Éternel, qui dit la vraie justice. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, nous nous élevons contre tous nos accusateurs. Ceux qui accusent mes enfants, ceux qui accusent ma famille, ceux qui accusent mon pays, ceux qui accusent mes parents, ceux qui accusent mon travail à tort, ceux qui me persécutent. Ce soir, Seigneur de gloire, qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus, que nos enfants ne soient point atteints, que nos parents ne soient point atteints, mais qu'eux-mêmes, les accusateurs, qu'ils soient jugés équitablement, au nom de Jésus, dans le nom précieux puissant de Jésus, tout celui qui dit des mensonges, tout celui qui persécute mes enfants, tout celui qui persécute ma famille, tout celui qui persécute la famille de mon frère et de ma sœur, ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, que lui-même tombe dans ses propres pieds. Que les forces qu'il a montées contre nous se retournent contre lui. Que les pièges qu'il a préparés contre ma famille, contre mes enfants, contre les enfants de mon frère, les enfants de ma sœur, contre ce pays, la RDC, contre les autorités de ce pays, tout projet du diable, tout projet maléfique, au nom de Jésus, que ce projet tombe, que ce projet tombe, que ce projet tombe, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Cette nuit, je ne dormirai pas sans que je prie l'Éternel et qu'il m'aille rendu justice, qu'il m'aille donner mon droit. Il est le véritable l'homme qui donne les droits, qui justifie ceux qui ont été incorrectement, injustement condamnés. Nous allons prier. Que l'Éternel fasse du bien à ta maison, à ta famille et à tes enfants, bien-aimés. Tu n'as rien fait. Tu es condamné à gauche, à droite. Nous allons prier pour que les biens soient les partages de ta maison. Que les biens soient les partages de tes enfants. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Que les biens, parce que notre Dieu, c'est le camp de bien. L'autre camp, c'est le camp du mal. L'autre camp, c'est le camp du diable. Oui, nous nous prions pour les camps du bien. Que le bien soit le partage de tes enfants, soit le partage de tes parents, soit le partage, oui, de tes enfants, là où ils sont, au Congo ou ailleurs, là où ils sont, dans les provinces ou ailleurs, là où ils sont, en voyage ou sur place. Nous nous prions, Seigneur de gloire. Nous t'invoquons, ô Dieu, le Dieu qui nous fait du bien. Fait du bien à nos familles. Combat pour nos familles. Nous sommes accusés à tort. Nous sommes accusés par l'ennemi. Nous sommes accusés par les diables. Voilà pourquoi nous nous approchons du trône de grâce pour venir à toi. Enfin, Seigneur de gloire, que tu puisses nous justifier. Tu es celui qui justifie les justes. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit que le problème atteint souvent les justes, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Ce soir, nous voulons, ô Dieu, que tu nous libères, que tu libères nos familles. Dieu d'amour, tu es le Dieu libérateur. Libère nos familles, fais du bien à nos familles. Au nom de Jésus. Nous allons prier que cette nuit, la délivrance accoste dans ta maison. Que tous les persécuteurs, les dévoreurs et ceux qui déchirent comme les lions. Vous savez, quand les lions déchirent, il n'y a pas de secours. C'est ce qui se passe dans la plaine de Palestine. Il y a beaucoup de lions. Et surtout dans la cité et dans la plaine de Palestine, il y a beaucoup de lions. Et surtout dans la cité de Juda. C'est pourquoi on parle même des lions de la tribu de Juda. Il y a beaucoup de lions. Bien aimé, quand ils déchirent, il n'y a personne pour intervenir, pour te venir au secours. Tous ces lions-là qui attaquent ta famille, tous ces lions-là qui persécutent ta famille, nous allons les contre-attaquer avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda. Prions le Seigneur, Dieu de gloire, tous ceux qui m'attaquent, tous ceux qui persécutent mes enfants, ma famille, mon pays, ma maison, ce soir, qu'ils soient attaqués, qu'ils soient attaqués. Tous les dévoreurs, ceux qui viennent pour dévorer, tous les oiseaux de malheur qui viennent la nuit, tous les chats,
qui viennent envoyer du diable pour agir contre nos maisons. Ce soir, ce vendredi, je les bombarde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les chasse loin de ma maison, loin de ma maison. Tout ce qui dévore, ce qui nous appartient, oh Dieu d'amour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Jésus de Nazareth, lève-toi, au nom précieux puissant de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. Oh, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, comme le dit Psaume 86 au verset 6. Que l'Éternel prête l'oreille à ta prière et qu'il soit attentif à tes supplications et qu'il accède à tes demandes cette nuit. Que le Dieu de gloire prête l'oreille, qu'il accède et qu'il soit attentif à tout ce que nous lui demandons ce soir pour nos enfants, pour nos familles. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Yahweh, nous avons besoin de toi cette nuit. Nous avons besoin de toi. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le protecteur des sans protection. C'est toi qui donne la force aux sans force. C'est toi qui protège ceux qui ne sont pas protégés. Nous venons à toi, oh Dieu, cette nuit pour demander que tu puisses accéder à nos demandes pour nos enfants. Laisse que toutes les demandes de nos familles, ce soir là où tu es, oh Dieu, que tu accèdes à ces demandes. Écoute nos prières, écoute nos demandes. Dieu d'amour, Dieu de bonté, accomplis ces demandes, accomplis ces prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. Oh, nous allons prier maintenant, avec le psaume 7, toujours verset 7. Nous allons dire à Dieu, lève-toi contre la fureur des adversaires, de la maison. Opère un signe en notre faveur, que Dieu s'élève, qu'il opère un signe en notre faveur, comme il s'est levé pour David, pour opérer un signe, pour montrer qu'il était avec David. Il ne l'a pas laissé. Que cette nuit, que l'Éternel s'élève, qu'il opère un signe en notre faveur. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, lève-toi. Alléluia. Quand l'Éternel s'élève, nos ennemis se dispersent. Quand les lions de la tribu de Juda s'élèvent, tous les ennemis sont à terre. Laissons ce soir que nos ennemis qui nous combattent, quand toi tu te lèves, qu'ils reculent. Je veux que les ennemis de ma maison, les ennemis de ma famille, qu'ils reculent, qu'ils tombent au nom de Jésus. Que tous ces ennemis-là, lorsque l'Éternel s'élève, qu'ils tombent dans les fosses qu'ils avaient creusées, qu'ils échouent eux-mêmes, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils avaient montés, tous les ennemis de nos maisons. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que les ennemis reculent, que les maladies reculent, que tout ce qu'ils avaient jeté, le poison, le malheur, les malédictions, au nom précieux de Jésus, lève-toi, oh Dieu, avec ta fureur, et que l'ennemi recule, et que l'ennemi recule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi recule quand toi tu t'élèves au nom de Jésus. Nous allons prier encore que le Dieu Tout-Puissant qu'il mette fin au complot, au projet, à la malice de l'ennemi de ta maison. Psaume 7, verset 10. Qu'il mette fin. Nous allons demander à Dieu, trop c'est trop. Que Dieu mette fin à cette maladie-là. Que Dieu mette fin à cette situation-là, où il n'y a plus d'argent dans la maison, où les enfants sont toujours malades, où il n'y a plus d'argent dans notre maison. Lui, il est le bouclier, n'est-ce pas, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Alors que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mette fin au complot, au projet, aux malices, à toutes les stratégies du diable. Prions le Seigneur. Tu es Dieu, nous te prions, nous voulons que tu mettes fin aux stratégies, aux stratagèmes du diable contre ma maison, contre la maison de mon frère et de ma sœur, contre la maison de la communauté, de nos églises locales. Seigneur de gloire, nous te supplions, Seigneur de gloire, mets fin à leurs projets de maladie, projets de disette, projets de misère, projets de célibat, projets, oh Dieu d'amour, nous avons besoin de toi, que nos maisons vivent, que tous les projets de l'ennemi contre ma famille soient rendus nuls sans effet. Au nom de Jésus, que tous les projets de l'ennemi contre ma famille soient rendus nuls sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, pour terminer, que celui qui creuse un fosse, il tombe lui-même. Que celui qui apporte la violence, qu'il tombe dans la violence cette nuit. Et que celui qui veut du mal à tes enfants, oui, qu'il enfante les néants. Prions le Seigneur. Seigneur, toute arme forgée contre nous sera sans effet cette nuit, au nom de Jésus. Que celui qui a creusé une fosse contre ma famille, que lui-même tombe dedans cette nuit, au nom de Jésus. Que celui, oui, qui a des projets, oui, que ces projets-là soient sans effet, au nom de Jésus. Que celui qui fait du mal à ma famille, oui, Seigneur de gloire, qu'il enfante les néants, au nom de Jésus. Laisse que le Dieu de gloire vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous protège, qu'il vous garde et qu'il veille sur vous. Bon sommeil à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye.